Au nom du Père, qui, papa, qui soke lukelo, du Fils, dit, papa, dialungana kengani, et du Saint-Esprit, dit, sa divinité, tata, kimbangu, kutima, kiangani. Dieu le Saint-Esprit, chef spirituel et représentant légal du kimungisme, patron de la quatrième et dernière génération, mes chers amis, dans le cadre de cet exercice communicationnel, aujourd'hui, on est la fin du mois, le 30 du mois de novembre, évidemment par rapport au mode calendaire grégorien, mais dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimungisme, on est aujourd'hui le 28 de Ngondakumpwa et l'année c'est 97. Le Kimbangumuna, on est dans le Kimbangumuna. On est un jour de Konzo, donc l'équivalent du vendredi. Si je suis un peu debout aujourd'hui, c'est parce que je voulais évoquer aujourd'hui dans le cadre du déjeuner du Mediaki. Le Mediaki, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Mais écoutons. Je veux faire état de ceci. Venons mes amis. Je vais prendre place, si vous le voulez bien. Écoutez bien ce cantique, ce message, cette communication politique de mes amis les anges. Ici, en l'occurrence, c'est mes amis du Congo Manza Kimbangu, le Jijeki de Manza Kimbangu, l'album qu'ils ont réalisé pour rendre hommage à sa divinité Tata Mfumalongo pour son centenaire. Mes chers amis, suivons en fond sonore. Alléluia qui est, Alléluia qui est, Alléluia qui est. Tala mouela mono boua toko ane soka mbeni. Moulendo kiako, moulendo kiako, tala nungini. Tala mouela mono boua toko ane soka mbeni. Mulendo kiaku, mulendo kiaku, tala ndungini. Fina mange mfumu wa mwelame. Ekinsanga kiame mfumu wiza. Fina mange mfumu wiza. Mubulu dialufwa. Benge wankatudi. Fina mange fumu wela me, fina mange fumu wela me, mubu fumu, mubulu, mubulu dialufwa, mengeye wankatudi. Mes chers amis,
Si j'ai commencé le déjeuner de Mediaki en cet après-midi, on se déjeunait plutôt, donc en ce jour, Konzo Ngonda Kumpwa, le 28, autrement dit le 30 novembre 2018, l'année où nous célébrons le centenaire de la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur Terre, à savoir Tata Koutima Diengenda Joseph. Cette chanson-là que mes collègues de Jekim Banza Kimbangu, plateau de 15 ans, donc ex-Brazzaville, donc Banza Kimbangu, ont tonné. Que dit ce texte? Que relate ce cantique ou ce discours politique que nos amis les humains sont venus disposer? Il dit quoi? Alléluia, qui est-ce? Alléluia, qui est-ce? Alléluia, qui est-ce? Alléluia, qui est-ce? Ta la muela mono bua to kwa ne so kwa meni. Mulendo kyaku, mulendo kyaku, ta la nungini. Tala mwela mono buwa tokwa neso kambeni. Mulendo kyaku, mulendo kyaku, tala ndungini. Fina mange mfumu mwela me. Yekinsanga kyame mfumu wiza. Fina mange mfumu mwela me. Ekinsanga kya memfumu wiza mubulu dialufwa mbenge wankatudi muboloko diampasi mbenge wankatudi mubulu dialufwa mbenge wankatudi Muboloko diampasi, menge wankatudi. Fina manzambiame, fina manzambiame, fina manzambiame, fina manzambiame. Mubulu dialufwa, menge wankatudi. Muboloko diampasi. Benge wankatudi. Voilà. Les anges ont parlé. Ce chant-là, cette chanson-là, cette cantique-là, qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce qu'il veut dire? Déjà au départ, il dit Alléluia, Alléluia, qui est-ce? Oh, Alléluia, gloire à Dieu, Tata Kimbangu Kyangani. Je suis dans l'allégresse. Alléluia, qui est-ce? Après, ta la mouela mono bua to kwa ne sokambe. Mon âme, mon esprit était perturbé par l'ennemi. L'ennemi qui? Celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'aîné sur terre, l'ennemi, l'ennemi qui a été mis. Parce que lui, il dit qu'il est le premier sur terre. Quand il a défié papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Dengena Gontima, donc Tata Simba Kimbangu qui règne dans les cieux, il a dit, papa, tu règnes là-haut. Il appelle aussi papa. Hein? Toi, tu règnes là-haut, moi je règne ici bas sur terre. Et il est descendu sur terre, il s'est fait prévaloir être comme étant l'aîné qui a été mis. Donc l'ennemi. Donc mon âme est perdue par l'ennemi. Moulendo kiako, moulendo kiako, tala nungini. Grâce à toi, grâce à ta puissance, Tata Simba Kimbangu Kyangani, aujourd'hui, je suis redevenu vainqueur. Après, il dit quoi? Mouboulou dialoufwa, mbenge wankatudi. J'étais tombé dans un ravin, dans un trou. Et c'est toi qui m'en as fait ressortir. Et là, mes amis, je vais faire allusion ici à ce symbolique Papa Simba Kimbangu premier. À l'époque, il vient de Ongoka avec sa mère nourricière, Mama Kinzembo. Et en ce moment-là,
en revenant à Nkamba, eh bien, Tata Kimbangu tombe dans un ravin. Il disparaît dans un ravin. Maman Kinzembo préoccupée, mais mon fils est passé par où? Il est allé où, mon fils? Donc, papa Simon Kimbangu. Il a 12 ans ce moment-là, 12 ans. Et il entend dans le tréfonds du ravin une voix qui dit que Monobaya Mengizi Sosakoukou. Je suis venu chercher les miens qui sont enfermés dans le trou, dans un ravin. Le cantique dit Mouboulou Dialoufoua Mbengeye Wanka, tout dit c'est toi qui m'as fait sortir de ce trou-là. Mouboloko Diampasi Mbengeye Wanka, tu m'as sorti, tu m'as libéré de la prison où j'étais enfermé. 4400 ans, le peuple originel est resté enfermé. La descendance d'Ésaü. 4400 ans. Et le symbolique, vous l'avez remarqué, Papa Nkunti Madiangenda, on la personne, pas Simon Kimbangu, il avait signifié lors de l'élection d'Obama. Pourquoi Obama était venu le 44e président des États-Unis? C'était le symbolique de 4400 ans. Mouboloko Diampasi Mbenge Wanka, tu dis. Donc, de la prison de souffrance où j'étais, c'est toi qui m'en as fait ressortir. Tu m'as sorti de ce trou-là. Finalement, Zambiame, finalement, Zambiame, viens, je t'implore, Tata Kisolokelokelo. Je t'implore, Tata Dialunga Nakangani. Je t'implore, Tata Kunti Madiangenda. Et donc, Tata Simon Kimbangu Kiangani, rapproche-toi de moi. Et je vais me rapprocher de toi. Je suis derrière toi, Tata Fumo Longo. Sans toi, on n'est rien. Voilà, Allelu Chachi. C'est le cantique capté à l'époque en langue. Mais grâce, moi, dernièrement, quand j'étais en Kamba, j'ai eu la chance de rencontrer mon beau-père. Mon beau-père, qui est donc le papa de mon épouse. Lui, Papa Fumalongo l'avait pris très jeune. Il avait envoyé à l'époque, il avait fait une formation de grade d'agronomie. C'est là-bas qu'il était à Kinkewa. À Kinkewa, c'est un centre agro-pastoral que Papa Fumalongo, Dengue Dagouti, m'avait mis en place pour montrer le moyen de développement. L'autosuffisance alimentaire par l'élevage, tout l'eau n'a pas beaucoup là. À l'époque, donc, à Kinkewa, il était parmi les jeunes que Papa Fumalongo avait envoyé là-bas concernant l'encadrement. Et le cantique à Lou Chaché était venu. C'était encore en langue. Et c'est Papa Diangenda qui était venu leur informer l'explication de ce chant-là, en Kikongo. Alléluia. On va encore écouter, s'il vous plaît, et puis on va reparler. Suivons. Alléluia, Chachi. Alléluia, alléluia, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? La joie. Alléluia, qui est-ce? Le bonheur, l'allégresse. Voilà. Tala mwela mono buwa toko aneso kambeni Mulendo kiaku, mulendo kiaku, tala ndungini Tala mwela mono buwa toko aneso kambeni Mulendo kiaku, mulendo kiaku, tala ndungini Fina mange mfumu mwela me Yekinsanga kia me mfumu wiza. Donc, approche-toi Seigneur, viens essuyer mes larmes. Voilà la démarche du kimbongisme. Le kimbongisme, si vous lisez dans les textes organisationnels de la structure spirituelle, il est stipulé dans son article 4, dans son statut, je vais vous le parler ici, c'est le kimbongisme a pour but de restaurer l'humanité dans son état premier. Article 4 du kimbongisme. Cette nouvelle civilisation à travers sa structure culturelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Parce que nous, on est politique, mais l'Église est notre loge. C'est là-bas que nous allons prendre les capacités spirituelles, les capacités d'action afin d'agir à la cité. Donc, pour ne pas perdre le troupeau politiquement parlant. Voyez-vous? Donc, ici, Papa Simon Kimbangu, à travers donc, cette structure spirituelle, cette institution spirituelle matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, New Jérusalem. J'aime bien le terme New parce que dans le New, vous savez que si vous ne le savez pas, les anglo-saxons, leur langue, l'anglais, vous savez quand on parle de news, là je vous donne des informations, c'est news. Mais comme par hasard, dans le mot news, il y a ce qu'on appelle les quatre points cardinaux. Ben oui mes amis,
Si vous prenez le N, correspond au Naf, donc le Nord. Si vous prenez le E, correspond à East, donc l'Est. Si vous prenez le W, ça correspond à West, donc West. Et le S, c'est le Sud. Et quand on écrit donc le mot News, vous tu décris en fait la croix. Les quatre coins cardinaux. News, l'information. Ce que nous faisons ici, à travers cette structure de communication qu'on appelle le média kimbanguiste. Alors, donc, Tata Kimbangu, à travers cette institution qui est descendue en Kamba, donc qui est devenue la New Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, où nous allons recevoir toutes les nations du monde entier. Nous, les guitaristes, parce que je fais partie du groupe des guitaristes kimbanguistes, nous avons la chance, au sein de notre groupe, nous avons un inspiré. Cet inspiré-là, il s'appelle Papa Simon Manzenza. Il est à Lubumo. C'est là-bas qu'il avait capté le cantique, le discours politique. Moi, comme j'appelle les cantiques, moi, des discours politiques. Il y a un discours politique que les anges nous ont envoyé sur terre qui dit « Venez voir sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Fumwa Longo. Venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Fumwa Longo. Il agit avec toute simplicité. Sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Père divin, Dieu tout-puissant. Il est parmi nous. Allons voir sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le Père céleste, Mfumwa Longo. Il agit avec toute simplicité, mais sa profondeur divine insondable. Un autre discours politique que nos collègues spirituels sont venus disposer. Et là, je fais, parce que quand j'ai suivi l'intervention de Papa Fumambanza Mvingidi, celui qui est l'héritier du trône christique, le Christ Jésus, Papa Dialungana, Papa Mbenza André, Tata Mbengisi Lukufi, et Tata Mwanda Belila, le mardi dernier, il nous a rappelé les événements de 5 mois. Et je ne vais pas revenir ici sur l'aspect du 5 mois. Parce que dans le mot 5 mois, quand on dit les 5 mois, en fait, le premier Kimbangu, le Kimbangu premier, qu'on appelle souvent le Kimbangu de Luputa, ce dernier, il a seulement exercé pendant 5 mois. Et les trois glorieux, quand ils viennent rester en séjour, pendant les fameuses. Au départ, ils étaient partis pour les festivités. Normal, à l'époque, quand nous célébrons la mauvaise fête, la mauvaise date de Christ Jésus. La fête de la paganie, de Ngadian Pemba, Satana, de Noël, Yami, cette date qui n'est pas appropriée, qui n'est pas correcte, du 24 décembre ou 25, comme qui dirait. Ils sont montés en Kamba, c'était en 1988. Et finalement, ça a provoqué ce qu'on appelle cet accident. Les enfants de Jétéki qui étaient morts lors de cet accident-là. Cet accident-là, quand ça a réalisé, il y a eu 36 choristes qui n'avaient pas suivi les consignes qu'avait recommandé par exemple Fumalong. Avant votre voyage, venez me voir d'abord. Enfin bref, 36. Et quand c'était arrivé, Papa Fumalong, regardez sur mon compte du Facebook de ce matin d'aujourd'hui, sur mon profil, j'ai regardé le côté Mono Diangye, Ndanke, Ndazina, Yame, Kadinza. Moi, Diangenda, je suis affligé. Moi, continue, Diangenda, je suis affligé. Mais le monde ne veut pas m'écouter.
Sediame wafwa mukumakia baou kanti unwe ki bantanduki. Aujourd'hui, ils sont en train de m'accuser de beaucoup de choses. Enfin, bref. Et cet accident-là, donc, quand c'est arrivé, papa Fumwa Longo était très, très mécontent. Pire, Los Anges, toujours eux, mes collègues conseillers, c'est mes conseillers politiques. Moi, les inspirés, je les appelle mes conseillers politiques. Parce qu'ils viennent me donner des informations qui sont utiles dans mon action ici-bas sur Terre en tant que 3P, 2SP. Mes chers amis, qu'est-ce que dire ces anges-là en ce moment-là? Maman ma vanga menem fou moi kenda yi ma vangu ma satana. Tata nge wambana ki salu nga umbe mbule. Salu kya kutata ki nene nga banani basala kyo. Kubike fulu kwa boba vutu kidi kwange mkumbwa ku. Tata nge wambana ki salu. Nga oumbe mbole. Papa, Kidon, c'est son père, Tata Kimbaou. Kidon, c'est l'incarnation. Tu m'as abandonné vraiment. Regarde les enfants. Ils sont venus pour te célébrer, pour te glorifier. Là où tu résides, en Kamba. Mais qu'est-ce qui se passe? Et papa, fous-moi l'ongle. L'ange est venu encore dispréciser. Maman, ma vanga mene. Fous-moi nkenda. Ce qui s'est arrivé, le Dieu miséricordieux, c'est les pratiques des francs-maçons. Parce que dans la... Papa Kdengenda Kuntima était entouré des gens aussi qui n'étaient pas dans les bonnes dispositions spirituelles. On doit le savoir. Ces fameux avocats. Hein? Ceux qui avaient le vicariat. Qui l'a accompagné dans son action. Mais lui, il faudrait que Papa Fumwa Longo Kuntima Diangenda, son rôle était d'enseigner. Que tu sois un mauvais, un bon, son but. Parce que le Kimbangu premier, il est venu ouvrir la maison. La porte. Le Kimbangu deuxième, il est venu pour faire rentrer tout le monde dans la maison. Mais d'ailleurs, cette fameuse demande qu'on appelle la prière du 6 avril, où il demande tout le monde, venez rentrer, afin que je prenne le temps de vous revigorer. Donc, mon boulou de l'oufouatakala, n'ayez pas qui tout dit. On était dans les ravins, papa Kuntima Dienga, donc la deuxième expression, papa Simon Kimbangu, il transforme cette créature qui était devenu boulou, animal. Donc, on était animé maléfiquement à travers le coup d'état spirituel qu'il y a eu entre Mama Eva, Kaka Eva, et lui, Chétal, qui était esprit, qui a utilisé l'animal qu'on appelle le serpent, qui a servi de pont pour qu'il soit être humain. D'où dans la notion, moi, je dis qu'en Congo, dans la cosmogonie Congo, il n'y a pas la notion d'être humain. Il y a seulement l'humain, c'est-à-dire le Wantu, Wantu, Wanteti. D'accord? Et nous donc, c'est les autres qui disent être humains. C'est-à-dire ils sont devenus. D'ailleurs, ils enseignent ça aux enfants, à l'école. Ils sont d'abord les chimpanzés, ils sont transformés, ils sont devenus. C'est eux. Mais nous, on n'a jamais causé cette histoire-là. Nous, papa qui se loquait, nous a façonné à son image, en tant que potier, en faisant usage du principe de Pakunungu de Pélégueté. Parce que qui voudrait le corps humain, c'est la session, ça. Ça, c'est le Pakunungu, ça, c'est l'image de ça. Il y a cinq doigts, Pakunungu, des yeux, Pélégueté. C'est le principe, c'est l'acte que papa qui s'occupe a utilisé pour créer l'homme, à son image et ressemblance. D'où d'ailleurs cette science qu'il est venu disposer concernant notre développement dans le trois quarts. Je disais tantôt que donc, Tata Kisolokele, au moment de nous mettre en place, et cette structure qui est devenue, pour qui n'était pas disposée, Toba Mubulu. D'ailleurs, les autres sont anges, qui ont toujours la croix des dirigeants, ma belle famille. Il dit. Le cantique dit ceci. Nakatia libulu kimbangu akwe kolukabaye mikuwa ya pamba. Donc, on était dans un ravin. Papa Kuntima Diangenda, donc la deuxième disposition au papa Simon Kimbangu, vient nous revigorer. Mikuwa ya pamba. Mikuwa na vallée la vallée Josaphat. Ezekiel, il nous l'a ramené, il nous revigore. Donc, le Kimbangu deuxième, il vient nous enseigner. Mais celui qui est venu actuellement, le Mpotulendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Kombola, il est venu faire le tri. Parce que, dans sa deuxième forme, dans sa deuxième disposition, il est le temps d'enseigner. Et là, il est venu faire le tri. Et donc, pour moi, pour revenir à ce que je disais concernant, c'est ce jour de 5 mois, Papa Fumwa Longo Kuntima Diangenda, hier,
avant mardi plutôt, donc Pambenza a fait passer donc cet oracle là au sorti de 5 mois. Tata qui continue dit ngenda, il dit Bisa tous les boni, on est combien? On est quoi? Qui solo kele? Di dialungana, di diangenda. Ki kimangu, ki kawanga. Ce fameux symbole dont je vous parle souvent, le kididiki. Kididiki. Les stellaires à 5 branches, l'étoile à 5 branches que nos amis, les souvent ce qui m'ont dit, se mettent sur sa tête. Voilà, c'est ça le stellaire là. Le kididiki. Papa qui solo kele, papa dialungana, papa dialungana motima, et les parents, papa kimangu et kakiawanga. Kakimangu et kakiawanga. Et quand donc ils sont restés en camp, donc au sortir, il a rappelé ce qu'ils ont fait là-bas, parce que c'est là-bas qu'ils ont scellé le sort de l'humanité. Les 5 mois de 21, les 5 mois du séjour, et les 5 en lui, Tata Simon Kimangu Kiangani. Parce que quand vous prenez Papa Simon Kimangu, Ngariawanga, donc les parents, si vous prenez les enfants, les 3 glorieux, la Trinité Céleste, Tata Kisoloke, Tata Longwana, Kisoloke les 10 lettres, Dialungana 10 lettres, Diangenda 10 lettres. Kimbangu, 8 lettres. Kiawanga, 8 lettres. Si vous les fusionnez, ça fait le chiffre 16. Le nombre 16 plutôt. Et donc, le 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Donc, on va suivre tout ça, ça fait 37 000 familles. C'est pourquoi Papa Simon Kimangu Kiangani, quand il a pris sa charge, quand il a repris sa place qu'il avait donnée provisoirement à ses 3 glorieux, et là, il est venu récupérer, il fait ressortir les Bamonimpasi. Vous qui avez souffert ensemble avec moi en 21, venez, le temps est venu pour qu'on ait le fruit de notre travail. Et c'est pourquoi il est en train de faire des pieds, parce que d'ici là, tout le monde sera appelé à monter en Kamba, comme je vous disais tout à l'heure, venez voir sa divinité. Ils iront le voir. Ils ont déjà commencé, hein. Vous avez vu dernièrement, on a reçu un ministre d'État, qui a eu une carrière politique de 50 ans, donc il a connu pratiquement tous les Kimbangis en quelque sorte. Parce que c'est en tant que député de la magie de Bâle, donc la Belgique, hein, c'est vrai que la Belgique c'est une coalition internationale. C'est un territoire tampon que les Illuminati ont mis en place, donc la magie de Bâle, Belgique, ils ont mis en place pour aller contrôler là où allait être le dessin spirituel et propre de l'humain. Enfin bref. Et là, Papa Simon Kimbangu, donc Papa Kuntima Diangenda, il dit les francs-maçons, Bazabandoki. Et quand ils arrivent en Afrique, ils dominent les Ndoki qui sont en Afrique. Mais pourquoi ils dominent? Parce que leur sorcellerie est transformée autrement. C'est les mêmes. Et là, je vais vous lire un discours politique que mes amis les anges, donc les descendants de Tatamukoko Johane, donc les 18 mains, nous sont venus donner entre-temps. En tant que Gidaïs Kimongis. Un appel à se repentir. Du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage. Hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Suivons bien. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Si le pouvoir du consolateur Papa Simon Kimbangu était suprématie de celui des magiciens et des charlatans de ce monde, qui est-il? Si le pouvoir du consolateur Papa Simon Kimbangu était suprématie de celui des magiciens
des charlatans de ce monde. Qui est-il? Si le pouvoir des trois glorieux, issu de Papa Kimbangu, était prépondérant de celui des sages et magiciens de ce monde, qui sont-ils? Si le pouvoir des trois glorieux, issu de Papa Kimbangu, était prépondérant de celui des sages et magiciens de ce monde, qui sont-ils? Si le pouvoir du consolateur Papa Simon Kimbangu était suprématie de celui des magiciens et charlatans de ce monde, qui est-il? Si le pouvoir des trois glorieux issus de Papa Kimbangu était prépondérant de celui des sages, c'est celui des sages et magiciens de ce monde, qui sont-ils? Le Messie connu ses mépris. Le Messie connu ses mépris. On lui retorqua qu'il était magicien. Dieu nous a appris la grande leçon en venant au monde dans une bergerie. Malheur à nous parce que nous avons péché. Voici pourquoi nos yeux se sont obscurcis. Je répète. Dieu nous a appris la grande leçon en venant au monde dans une bergerie. Malheur à nous parce que nous avons péché. Voici pourquoi nos yeux se sont obscurcis. Alléluia. 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 Oui, Éternel, tu sièges à jamais. Ton trône existera de génération en génération. Louons les trois glorieux, ici-bas. Oui, Éternel, Tate Simon Kimbangu Kiangani. Tu sièges à jamais. Ton trône subsistera. Ton trône subsistera. Ton trône subsistera des générations en générations. Louons les trois glorieux ici-bas. Tata qui solo que le loukelo. Les trois glorieux. Qui? Tata qui solo que le loukelo. Les trois glorieux. Dis, Tata de Lunga na Kengani.
les trois glorieux. Dis, tata diengienda ultima. Voilà les trois glorieux. Et donc, mes chers amis, qu'allons encore chercher ailleurs? L'un de la yuvula, eh, Mukongo, l'un de la yuvula, Nzambi wa songa lembwetete yeti songa ntemo munza. Bena kunzi zamputu bawidi bimangwi moneke munsi ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini kwe yungana. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez à côté, en Kamba? Congo, Angola, Kubama. Congo, Kinshasa, Kubama. Congo, Mbanza, Kimbangu, ex-Brazzaville, Kubama. Nkamba. Nkamba. Yeluseli Midiampa. Dikundanga, tata ki solo ke lukelo. Tata de lunga na tiangani. Et tata de ngende kuntima. Mpotu lendo, tata simo Kimbangu kiangani. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons à côté, là, prochement, très prochement, Nkamba Yelouselemi? Pourquoi aller au Vatican? Pourquoi aller à New York? Pourquoi venir à Paris? Pourquoi aller à Londres? Ce que nous avons à côté, à Nkamba, c'est notre centre névralgique, c'est le centre de l'univers. Et c'est là-bas qu'il fut créé le premier Wantu, Wantete, Wantu, Wantete, Ntaka Mbuki. C'était cette intervention prévue. Homme de Dieu, faux prophète, vous qui êtes contre la Trinité de Tata Kimbangu Kiangani, à savoir Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangena Kuntima, le Père, Fils, Saint-Esprit donc. Mon ami, dès aujourd'hui, heureuse, une nation qui a comme chef Tata Kimbangu Kiangani. Prenez garde, l'esprit est contre vous. Hein? Vous les francs-maçons là, Rose-Croix, Maïkari. Vous savez, Tata Kimbangu Kiangani, mardi dernier, il dira, Satan, il partira paisiblement. Très simplement, paisiblement. Il fera son chemin. Mais je rappelle, c'est comme un arbre. Quand il tombe, les branches qui sont attachées au tronc d'arbre, eh bien, ils tombent avec. C'était le média qui de ce Konzo Kumpwa 97. L'équivalent donc dans le Grégoire, le Grégorien, vendredi 30 novembre 2018. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, l'homme 3K. Nous voulons préciser cela. Quand je dis Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, les trois en un, c'est-à-dire le premier nom, l'appellation, parce qu'à l'époque, Simon Kimbangu simplement. Simon Kimbangu et les post-noms Kuntima Kiangani. À très bientôt, mes amis.